Oh my god. Hey yo les loups, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle sur du bomb, quelque chose d'incroyable, une partie de malade pendant une session de rush qu'on a fait. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc on peut voir qu'on va rusher les gars, donc avec une Tara, un Franck et un Rico. Le Rico qui va faire le taf, voilà. Rico qui déboîte tout, mais ouais, là, ça déboîte tout. La compo, elle déboîte tout les boys. Et merci Tara, à l'ouverture du Alex là qui vient de nous ouvrir la porte sur le but. Donc déjà on a déjà 1-0, la game vient de se lancer les boys. Donc là ils ont une porte ouverte vers le but. Et non, il ne marque pas. Là il ne marque toujours pas. Et là, oh là là, il loupe, c'est un poteau de la part, oh là là. Vous imaginez tout ce qu'ils viennent de louper quand même. Quand même, et franchement... C'était énorme. Là, c'était la game de leur vie. On tue tout le monde, il va immobiliser tout le monde, et il joue très très bien. Ah dommage, la balle elle est pas et passée. Et moi, là, il fait masse dégâts avec Rico. Et voilà, l'ulti du Rico qui termine, et du coup, il a plus qu'à la pousser dans le fond, hein, littéralement. C'est ça, tout à fait. Non, là, c'était vraiment trop rapide. C'était une session de rush, vous allez voir. C'était énorme, énorme les gars. La session de rush qu'on a fait. La partie quand même, elle s'est enchaînée. Alors là les gars, la partie elle a pas mis de temps quand on y pense celle d'avant. Non, alors celle-là je crois que ça va être plus compliqué. Je crois que celle-là on va être plus dans le mal. Il y a une des parties les gars qu'on va vous présenter, on va être un peu plus dans le mal. On reste quand même des joueurs professionnels, mais ça va être chaud. Je vais chercher Ça va être chaud. J'essaie de chercher le Alex, il garde toujours son ballon. Voilà. Hop là, il va lui donner. Là il va tout ouvrir. Ça voilà. Ouvre impeccable. Ça faut bien penser les boys, hein. Ouvrir surtout. Ouvrir le but. Ouvrir le. Plus il y a de place pour marquer, là, plus vous avez de chance d'aller marquer. Il a utilisé sa gaba pour jeter le ballon loin. N'hésitez pas à liker les boys, tout ça, si ça vous plaît surtout. Et à vous abonner. Voilà, voilà. Hop, on attend qu'elle vienne tranquillement. Hop, petit ulti sur les là, deux. Bien joué les. Mais malheureusement, j'ai pris la balle. J'ai pris la balle, du coup, j'ai fait un coup en moins. Ça. Et là, vu que aussi on joue que dans leur camp, moi je peux plus trop utiliser mon Rico comme il faut. Et puis il y a plus de mur non plus pour toi. Voilà, donc c'est. Qu'on a tout ouvert, malheureusement. Il faut ouvrir. On panique un peu. Là, c'était compliqué. C'était pas la folie comme tout à l'heure. Là, vous allez voir, ils vont prendre le dessus à un moment donné. Et là, ça va être chaud. Non, on s'en sort encore. On s'en sort encore. La Penny qui nous fait mal dès qu'on est aligné. Ah, la Penny qui nous fait mal par sa tourelle. Voilà, c'est vrai que c'est chaud. Là, t'as été chercher la tourelle parce que. Et Alex, et pendant ce temps-là, Alex est rentré dans le but. Il s'est et ça fait déjà 1-0. Il va mettre son ulti. Voilà, l'ult, hop, les trois. Les trois ont été pris directement et là c'est porte ouverte. Donc, voilà. Du coup, voilà encore une game, franchement. Qui est splendide. Ça s'est passé. On a mis du temps avant de se débloquer. Une fois qu'on s'est débloqué, bam, on a plié la game en deux. Une fois qu'on a réussi à trouver notre jeu, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir, presque que des cartes à 300 presque en face, hein. 280. Ouais. Oh, nous, on montait à 300 aussi. Donc, voilà, on montait nos cartes à 300, après, voilà. Donc là, c'est chaud. On est reparti, les boys. Même compo, franchement, une compo qui marche très très bien. Le Rico, il faut vraiment pas qu'il se jette, qu'il reste vraiment derrière les autres. La Tara qui fait entre les deux, un demi-tank. Ouais, et là, j'ai eu le Franck que je me suis retrouvé face au Primo, et le Primo m'avait fait très mal. Voilà, tu t'es retrouvé pareil face au Primo. Et du coup là ils ont un double tank et c'est vrai que je pense que c'est cette partie là où on peine vraiment. Là mon ulti a Le Primo nous fait méga mal. Alex a réussi à gérer le Primo. Et là du coup là ils sont open de barre parce que là moi je peux pas tuer une Tara comme ça. Donc, du coup elle avait plus qu'à rentrer là, dans le but. C'est vrai que c'était chaud. Là on a déjà pris un but le boss. Là je vais avoir mon ulti moi. Là, faut faire gaffe parce qu'ils ont leur ulti aussi. Fait méga mal. Ulti de la Tara. Hop, élimination, du coup il reste la Tara en face qui a son ulti. Qui lance son ulti, qui arrive à nous attraper. Franchement, mais j'arrive quand même à le tuer. On était quand même tous les deux très là, loin. Là, il a voulu me passer le ballon, si je m'en rappelle de ça. T'as voulu me passer le ballon parce que j'avais ma capa, sauf que t'as jeté le ballon devant. J'ai pas, mon bonhomme n'a pas voulu prendre le ballon. Du coup, j'ai pas pu faire. Ah, du coup, Alex qui était revenu et a réussi à marquer le but. Alors, on a le Primo comme d'hab qui balance son ult, mais du coup, il l'a raté ce coup-ci. Là, et le Rico qui vient de défoncer. Avec son ulti. Et qui a presque défoncé encore le Franck. Mais le Franck qui n'a plus beaucoup de vie. Qui va essayer de venir chercher. Qui loupe son ult. Alors je me cache dans l'angle pour vraiment Alex qui vienne me chercher. Et qui perde du temps. Ça va être chaud. Alex qui revient. Alex qui fait pression. En attendant qu'on revienne. Pression, mais en soi, le Primo n'a qu'à lâcher la balle et aller attaquer. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais faut penser à ne pas garder la balle, les gars. Parce et surtout à. Pendant que vous avez la balle, vous attaquez pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, ça devient compliqué. Donc là, j'ai balancé mon ult et tout pour essayer de supprimer. Et là, je vais pas avoir le temps de le tuer avant 40. Donc, on peut pas prendre le dessus sur les tanks. Mais. On va reprendre ça tout de suite dans la foulée. Parce que on n'aime pas perdre. Il n'y a pas de défaite qui compte, vous voyez. Ça a pas mis de temps là. Ça a pas mis de temps. La partie terminée, on reprend tout de suite. Faut pas se poser de questions. Là, faut faire gaffe à pas se jeter non plus dès le début. Faut bien, surtout avec le Rico, il reste bien derrière. Voilà, le Rico derrière. Après, il va aller leur donner la balle. Voilà, impeccable ulti du Alex. Et là, les gars, ça va aller. Là, ça va aller vite. Voilà, il reste plus que le Franck. Et c'est une superbe passe. Et ça va passer. Voilà, ça passe là. Super passe, du coup, vu qu'il allait mourir, et il a réussi à nous envoyer la balle juste avant. Donc là, c'est pareil. On a l'ulti. L'ulti, vous voyez, bien, le Franck qui va à gauche, la Tara qui va à droite, voilà. Et le Rico qui reste vraiment au milieu. Et là, Gaguette, il file tout seul. Et voilà, c'est le but, mais franchement, exceptionnel. C'était n'importe quoi. Donc là, elle a pas mis trop temps. Ça a été trop vite. Franchement, ça va trop vite. Dès qu'on perd, faut qu'on... Faut qu'on reprenne tout de suite, voilà. C'était une superbe session de rush. Franchement, on a pris... Je crois que là, on est sur la dernière, non? Je pense. On a pris environ... Ah bah là, je l'ai monté énormément. 150 mon Rico, il était à 240. Dans l'après-midi, on avait pris au moins 150 trophées. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Grand après-midi, cet après-midi. Donc là, j'ai été chercher le Dynamite, parce que le Dynamite, ça, c'est chiant. Et le beau, c'est chiant aussi. Le beau aussi, avec ses bombes, c'est bon. Et malheureusement, du coup, on prend un but. On a pris un but. Ah, c'est chaud. Mais les gars, faut jamais se laisser abattre. Voilà. Jamais. Là, on s'est fait avoir dès le début. On s'est fait avoir. On se jette plus vraiment. Voilà, je me jette beaucoup moins. Il y a des fois des l'ulti fait très mal. Et là, il va re les toucher. Là, il reste plus que le Dynamite. Le Dyna, du coup, vu qu'on est chacun à côté du Dyna. Allez, il va chercher le ballon, mais du coup, qui est décédé par le Dyna. Le Dyna qui prend le ballon. Je suis en bas. Et là, vraiment, on est dans la peine. Hein. Là, c'est très chaud. Dégagement de la balle. Et il met son ulti. Il nous bloque notre Franck. Du coup, là, Gaguette qui récupère le ballon. Là, t'as ulti le beau. Donc, le beau, il doit pas être bien, je pense. Le beau, il est parti se cacher. Là, je me cache derrière la balle. Je m'en doutais qu'il allait venir. Voilà, il pensait pas que j'étais ici. Je tente de grappe, là, mais malheureusement, j'ai loupé mon ult. Ah là, je me fais tuer par les bombes du beau. Alex qui... Et les bombes du beau qui sont très gênantes. Déclenche la dernière. Donc là, c'est une des games la plus compliquée qu'on ait fait. C'était compliqué. Bah, le beau nous a embêté et le Dyna aussi. Ah là j'ai fait très très mal les belles. Là, Gaguette qui lance. Parce que depuis son tout à l'heure, j'avais super plus de vie. Et que je laisse le beau du coup à 12. Ouais. Et je suis encore avec plus de vie. Mais je sais qu'il reste le Dyna, donc je pouvais pas avancer. Voilà, là c'est vrai que c'était compliqué. Je crois que je vais aller chercher le Dyna. Alex a loupé son ulti, il pensait pas avoir la balle. Du coup, il aurait pu nous ouvrir, mais malheureusement, il a pris la balle et du coup, il a tapé dans le mur. Le Dyna qui vient. Là, je vais avoir mon ult. Le Dyna qui vient. Voilà, et là, je vais aller. Moi en même temps. Et toi, tu t'es occupé du Dyna. Tout en venant donner à. C'est ça. Parce que mes balles, elles vont super loin, les gars. L'ulti, il va super loin du Rico. L'ulti du Rico, il rebondit dans tous les sens. C'est une grande distance. Avec les murs. Et là, du coup, le Dyna qui s'est un peu jeté. Ouais, littéralement. J'ai trouvé que le Dyna s'était jeté. Il était pas content d'avoir pris un but parce que, sachant qu'il menait 1-0. Et regardez, les gars. Comment on peut tomber très très bas? Ouais, mais alors. Comment on peut tomber très très bas? Non, on va pas mettre le but, je crois pas. Peut-être pas tout de suite. On va pas mettre le but. Merci à Alexis qui nous a mis un GG. J'aimerais bien qu'on mette le but quand même. Mais pas je crois tout de on suite, va le mettre là, juste à la fin. Ça va venir, les boys. Et du coup, là déjà, toutes les caisses, tout ça va tomber. Voilà. Là, on est dans le temps additionnel, les boys. Il n'y a plus qu'à s'ouvrir une brèche dans le but. Et non. Et on pensait qu'il allait tirer, hein. Il avait son ulti, il aurait pu tirer à l'opposé, mais non, il est rentré tête baissée dans le but. C'était vraiment magnifique. Sur ce, mes petites louches, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne fin de soirée si vous regardez la vidéo ou une bonne matinée. Exactement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à regarder les prochaines vidéos qui vont s'afficher. Et sur ce, on vous dit ciao ciao. Allez, ciao ciao les loups.